Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Contrairement aux autres journées, les discussions ne se sont pas poursuivies entre la délégation de la CARICOM et les acteurs politiques en vue de la résolution de la crise haïtienne. Les signataires de la déclaration de Kingston exigent la présence du Premier ministre ainsi que le droit d'être accompagné de leurs partisans avant de continuer avec les pourparlers. Les bandits de Bel Air veulent prendre le contrôle de Solino. Ils ont lancé mercredi une nouvelle offensive de grande envergure contre les habitants de ce quartier. Le professeur Samuel Pierre attribue l'insécurité actuelle à la mauvaise gouvernance. Selon lui, les autorités doivent tirer les conséquences si elles ne peuvent pas résoudre ce problème. Depuis le 5 septembre, une délégation de la CARICOM est dans nos murs, avec pour mission de rencontrer tous les protagonistes de la crise haïtienne, du Premier ministre, en passant par les différents partis politiques, les gens de la société civile, etc. Notre collaborateur, Jean-Jules Desaugustes, suit les progrès de ces discussions et il est là avec nous sur le plateau ce soir pour nous faire un rapport sur ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va encore se passer, puisque la délégation est dans nos murs jusqu'au 10 septembre. Nous sommes le 7 aujourd'hui, je vous le rappelle. Bonsoir Jean-Jules Desaugustes. Bonsoir Serge Klein, bonsoir à tous et à toutes. Alors, un petit mot peut-être, juste quelques secondes, rapidement. Qui compose cette délégation de la CARICOM? Alors officiellement, ils sont au nombre de trois, mais de quatre je dirais, parce qu'il y a Kenny Anthony de Sainte-Lucie, Bruce Golding de la Jamaïque et Perry Christie des Bahamas. Donc ce sont des anciens premiers ministres qui constituent, s'il le faut, qui constituent cette mission de la CARICOM envoyée en Haïti pour essayer de, avec les autres protagonistes, résoudre la crise sociopolitique et sociosécuritaire du pays. Mais cette mission est dirigée par l'ancien Premier ministre Colin Gunderson, qui est un ancien Premier ministre aussi de Trinidad et Tobago, et qui prend le leadership de la mission pour rencontrer les acteurs, les protagonistes donc, autour de la crise haïtienne. Voilà, donc il s'agit d'une délégation de haut niveau, parce que Colin Granderson a été très, très, très impliqué dans la politique haïtienne il y a quelques années. Il connaît très bien tous les rouages. Vous l'avez dit, et il suit de très près l'actualité sociopolitique du pays. En tout cas, il suit très bien, de très près, Métropole. Bon, il cite même des noms. Donc de la station, franchement, et nous l'avons rencontré lors de ces séances de rencontres avec les différents protagonistes. Ils ont une conscience très claire, vraiment, de la crise sociopolitique du pays. D'ailleurs, la mission s'appelle « Mission de beaux offices », mais aussi constituée d'éminentes personnalités. C'est pour vous dire vraiment que c'est une délégation de haut niveau, donc constituée des anciens premiers ministres. D'anciens premiers ministres, c'est ça. Donc, on peut espérer qu'ils vont faire un bon travail. Et en tous les cas, ils ont pris les mesures qu'il faut pour que leur travail soit positif. Bon, alors, ils en sont plutôt à leur troisième journée. Je sais qu'ils se sont mis au travail dès leur arrivée, le 5, en rencontrant le Premier ministre, si j'ai bonne mémoire. Le 5. Alors, le 5 même, dès leur arrivée. Alors, finalement, comment ça se passe? En fait, pour ce 7 septembre, on dirait que la montagne a accouché d'une souris parce que la deuxième journée s'est soldée par deux rencontres, l'une avec les membres ou les tenants de l'accord ou de la déclaration de Kingston. Alors, la déclaration de Kingston, c'est quoi? C'est un regroupement de partis, d'organisations sociopolitiques. Nous pouvons citer l'accord de Montana, le collectif du 30 janvier constitué de la paix, unir, de Famille Lavalas, de aider, enfin, 7 à 8 partis politiques pour le collectif du 30 janvier. Alors, la paix, unir, je citais aussi
Petite Dessalines. Mmh. Il y a aussi Mopod OPL. J'ai parlé de ED qui n'en fait pas partie parce que ED fait partie du collectif ou de la déclaration de Kingston. Et puis, il y a Famille Lavalas, il y a En Avant et d'autres partis qui ont signé cette déclaration. Oui. Et à côté de ça, il y a eu, Serge Klan, l'accord du 21 décembre qui a rencontré les émissaires ou les éminentes personnalités autour de la crise. Mmh. Chaque structure, chaque pôle politique, s'il le faut, donc, a fait valoir sa position. Si la déclaration de Kingston exigeait, nous parlons donc du 6, la démission du Premier ministre, le départ du docteur Ariel Henry du pouvoir pour maintes raisons, les signataires de l'accord du 21 décembre proche du pouvoir souhaitaient un consensus autour des points cités lors de ce point de presse tenu par le Premier ministre, formation d'un gouvernement d'unité nationale, formation d'un nouveau conseil électoral provisoire pour la réforme constitutionnelle et l'organisation des élections, et puis la stratégie pour rétablir la sécurité dans le pays. C'est-à-dire, les tenant de l'accord du 21 décembre, tenait ce discours, je reprends le verbe s'il le faut le mot, et puis les signataires de la déclaration de Kingston exigeaient le départ. Mm-hmm. Pour aujourd'hui, ils devraient, nous parlons du 7 septembre, ils devraient s'affronter lors d'une rencontre dirigée par les éminentes personnalités. Mais les tenants de la déclaration de Kingston ne se sont pas présentés. Au lieu de se présenter, ils ont envoyé une correspondance, disent-ils, aux éminentes personnalités exigeant la présence du Premier ministre pour continuer les discussions. Parce que lors des premières rencontres ou de la première réunion, le Premier ministre n'était pas présent. Parce que d'ailleurs, les éminentes personnalités ont eu le temps de rencontrer le docteur Ariel Henry, la résidence officielle du Premier ministre, donc à Musso. Mais aujourd'hui, les tenants de la déclaration de Kingston exigent la présence du Premier ministre lors de cette dernière réunion et puis qu'ils aient aussi la possibilité de venir avec leurs partisans. Et là, nous rapportons les propos des signataires de l'accord du 21 décembre qui ont eu une communication avec les éminentes personnalités autour du contenu de cette correspondance à Serge Klan. Voilà. Oui, en effet, ils ont présenté deux exigences. La première, la première étant la présence physique du Premier ministre, et en présentiel, comme on dirait aujourd'hui le jargon, et également d'avoir le droit de venir avec certain nombre de leurs partisans. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient remarqué, autant que je me rappelle, que les partisans, disons les partisans du gouvernement, les représentants d'Ariel Henry, accompagnaient les tenants du pouvoir avec un certain nombre de gens qui étaient là et qui apparemment se comportaient très bien. Oui, alors il n'y avait ni tambour, ni cri, ni bagarre, ils étaient simplement là pour montrer leur présence et leur soutien, et l'opposition a exigé d'avoir les mêmes droits. Alors, je ne crois pas qu'il y ait un problème, c'est-à-dire qu'on voulait éviter que X marche avec ses partisans ou Y marche avec ses partisans. On était présents, on était sur place où l'action se passait, au Métropole, à l'hôtel Montana. Dans la matinée, de 9h, 10h à 1h ou 2h, les tenants de la déclaration de Kingston étaient autour de la table. De manière sereine, ils ont rencontré les émissaires de la CARICOM, les hautes personnalités, les éminentes personnalités, comme on les appelle, pour faire valoir leur point de vue. Donc c'était peut-être des représentants ou des personnalités à charge, maintenant contre le gouvernement, s'il le faut. Ils étaient environ une dizaine, moi je comptais autour de la table, des noms que je connais de ces parties-là, une dizaine, vraiment une dizaine, donc autour de la table. Maintenant, dans l'après-midi, vers 1h, 2h, donc les signataires de l'accord du 21 décembre étaient là, mais avec un nombre plus imposant. Derrière, ils ne pouvaient pas tous être à l'intérieur de la salle rencontrant les éminentes personnalités. Mais ils étaient là, même si les tenants de la déclaration de Kingston étaient plus sobres, alors, peut-être plus fermes aussi, plus sereins. D'ailleurs, ils ne voulaient pas s'adresser à la presse réellement. Nous parlons pour les tenants de la déclaration de Kingston. Mais dans l'après-midi, d'ailleurs, les signataires de l'accord du 21 décembre sont non seulement beaucoup plus en nombre, mais beaucoup plus jeunes aussi.
Plus enclins à s'adresser à la presse parce qu'ils veulent peut-être prouver quelque chose, etc. Et nous-mêmes, nous étions là à recueillir toutes les déclarations. On en a fait trop peut-être à un moment de la durée. Ce qui en a été le contraire, ce qui n'en a pas été le cas pour la matinée, peut-être un ou deux voulaient s'adresser à la presse. C'est pour vous dire, quand ce qui a trait à la présence, tout le monde pouvait venir avec tout le monde si on le souhaitait. C'est ça. Mais c'est ce qu'on peut relater en termes de témoignages puisqu'on était sur place où l'action se passait. Très bien, très bien. Alors maintenant, peut-être pour clarifier les choses, parce que j'avoue que même moi, entre les tenants de Kingston, ceux du 20 décembre, ceux du... j'ai un petit peu perdu. Je crois que ce serait plus simple de parler, disons, des partisans du pouvoir et de l'opposition au pouvoir, parce que comme ça, les choses seraient plus claires. Bon, alors, de toute façon, vous nous avez dit la chose importante, à savoir que, alors que ces négociations avaient bien commencé, avec donc ces trois, quatre même, anciens premiers ministres de la région, apparemment aujourd'hui, tout a capoté. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cet échec ? Bon, à notre avis ou à notre regard, presque rien. Peut-être question de position, question de confiance, on peut le dire comme ça. Et parce que la journée du 6 s'est déroulée comme une journée d'anniversaire, parce que les tenants de la déclaration de Kingston étaient là autour de la table. Ils sont arrivés très tôt, peut-être à partir de 9h, parce que nous sommes arrivés vers 10h, nous-mêmes nous les avons déjà vus, 10h, 11h, autour de la table, sereinement, et discutant, présentant leurs points, faisant des reproches au gouvernement, à tort, à raison, sur la crise sociopolitique. Et vers 1h, 2h, ils sont repartis. Donc il n'y avait pas eu de tapage, si vous voulez, dans pas l'espace. Non, pas d'affrontement public. Et d'ailleurs, si vous n'étiez pas tout près de la porte, vous ne pourriez même pas entendre de, son. D'accord. C'est pour vous dire que tout s'est déroulé dans le calme plat, vraiment, une grande sérénité. Maintenant, dans l'après-midi, vous savez que les jeunes, et pour la majeure partie d'entre eux, signataires, étaient plus bruyants, plutôt nutruants aussi peut-être. Mais il n'y a pas eu de tapage malencontreux, c'est-à-dire de menaces de toutes parts. Maintenant, les choses peut-être ont pris une autre tournure durant les dernières 24 heures, parce qu'il était question, pour le rappeler, de démission du docteur Ariel Henry au prime abord, à partir du 6. Et démission pour X, Y raisons, question de crise, de massacre, de ceci, etc. Mais, à notre avis, et nous avons parlé aux deux protagonistes, aux deux pôles, aux deux groupes, il n'y a eu pas de reproche, si vous voulez. Les tenants de la déclaration de Kingston ne faisaient pas de reproches, nous parlons de l'opposition, en ce sens, pour que cela soit plus explicite, comme vous l'avez dit, et les signataires de l'accord du 21 décembre non plus ne faisaient pas d'invectives de manière personnelle, individuelle, sur X ou sur Y. Là, nous reprenons ou nous relatons ce que nous avons vu. Maintenant, stratégie politique peut-être, évolution de la pensée politique aussi peut-être, parce que... Et peut-être aussi les graves événements de ces derniers jours, en particulier à Carrefourfeuille et à Canaan. Oui, mais ils ont cité ça. On poussait justement les membres de l'opposition à Ariel Henry à durcir leur position. Oui, mais c'est ce durcissement a peut-être est venu sur la table en moins de 24 heures. C'est ça. En moins de 24 heures, parce que le 6, c'est à cause de ces remarques ou de ces accusations, ou bien de ces événements, on peut le dire, qu'ils ont exigé le départ du Premier ministre, de Ariel Henry. Massacre, Canaan, Carrefourfeuille, les déplacés internes, l'insécurité globale. Ils ont énuméré toute une liste, si vous voulez, de points à charge contre le gouvernement. C'est ça. Maintenant, à partir de là, ils ont exigé la démission. Mais maintenant, selon la compréhension de plus d'un, les gens qui étaient autour de la table, peut-être ne sont-ils pas les principaux protagonistes en ce sens-là. Parce que pour les autres accords, la déclaration de Kingston, ce sont les personnalités des accords qui sont là. Mais si l'on prend aujourd'hui l'accord du 21 décembre, les proches du pouvoir, le plus important d'entre eux, c'est le Premier ministre. Peut-être veulent-ils que le plus important sur le plan politique soit présent, le plus fort, bien le plus concerné par la crise. Oui. Parce que les derniers et événements... Et peut-être aussi le plus à même à engager la responsabilité. Absolument, absolument. Parce que lors des dernières discussions, que ce soit avec l'accord de Montana, ils exigeaient la présence du Premier ministre. Et à chaque fois, à chaque grande rencontre, le Premier ministre
était toujours présent avec eux. Mmh. À la Jamaïque, par exemple, les premières informations faisaient croire que le Premier ministre ne serait pas là. Mmh. Alors que lors du lancement, lors de l'ouverture de la cérémonie, on l'a vu se présenter, mais aussi prononcer un discours au cours duquel il disait ne pas être convenu, signer un nouvel accord. Mmh. Et de retour, il a tenu un point de presse pour faire le bilan de cette mission, s'il le faut, et de cette série de rencontres. Bon, Jean-Jules Desaugustes, qu'est-ce qui est prévu pour demain? Est-ce que ça continue malgré tout, malgré l'échec de cette journée d'aujourd'hui? On ne sait pas encore parce que les éminentes personnalités disent attendre la réaction du gouvernement de manière générale. Quand nous parlons du gouvernement, nous parlons le chef du gouvernement aussi, le Premier ministre, Dr. Ariel Ri, parce que c'est sa présence qui est exigée, d'une part, et la réaction aussi des membres, s'il le faut, de la déclaration de Kingston, parce que l'exigence vient d'eux, en ce sens-là, qu'il faut que le Premier ministre soit présent pour discuter. Mais il faut le rappeler, est-ce que la présence du Premier ministre, c'est uniquement pour lui dire les quatre vérités en face, ou bien pour négocier, ou bien pour discuter réellement? Parce que les tenants de 21 décembre, s'il le faut, proches du pouvoir, comme vous l'avez dit, Serge Klein, eux, ils disent être disponibles pour discuter, pour négocier. Pour négocier, feuille de route du gouvernement, d'abord au gouvernement d'unité nationale, formation du conseil électoral provisoire pour la réforme constitutionnelle. Et élections à venir. Et la sécurité, parce que tout nous concerne, tout nous impacte, disent-ils à chaque fois. Et c'est pourquoi ils se sont dit choqués lorsqu'ils sont venus participer à la rencontre d'affrontement, de confrontation, et que la montagne a accouché d'une souris et qu'il n'a vu personne en termes de protagonistes en face d'eux pour discuter avec eux et s'affronter donc, à travers les idées, à travers le débat, évidemment. Donc c'est là que se trouve le débat. Ni les émissaires, ni le gouvernement ou les tenants de l'accord du 21 décembre, ni les tenants de la déclaration de Kingston, personne ne peut prévoir ce qui va arriver demain, peut-être même ce soir, à travers cette crise donc à Israël. Oui, parce que, comme je le rappelais au départ, cette délégation de la CARICOM est dans nos murs, en principe, du 5 au 10 septembre. Absolument. Maintenant, il ne faut surtout pas oublier que 5 jours après la fin de cette délégation aura lieu une journée consacrée à la crise haïtienne par le Conseil de sécurité de l'ONU. Absolument. À la date du 15. Absolument. Donc 5 septembre, 10 septembre, 15 septembre. Et l'exigence était claire, l'exigence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en ce qui a trait à la crise haïtienne. Tout à fait. Pour qu'il y ait le déploiement d'une force multinationale sur le sol national, il faut un accord politique, il faut un consensus, il faut que les acteurs s'entendent sur la crise pour savoir ce qu'ils doivent faire. Absolument. Maintenant, et ce que les émissaires ou les éminentes personnalités ont rappelé lors de cette rencontre aussi, que la crise a trop duré. Et que ce sont vos frères qui meurent, ce sont vos sœurs qui se déplacent à chaque évidemment. Fois. Ils l'ont rappelé aux protagonistes. Maintenant, est-ce que vous n'êtes pas conscient de ce qui se fait aujourd'hui, de la situation que vivent vos concitoyens, vos frères et sœurs? Pourquoi ne pas pouvoir trouver un accord entre vous pour essayer de résorber la crise? On rappelait les émissaires aux gens qui étaient autour de la table. Ils sont des étrangers. Ils pensent, ou bien il semblerait qu'ils sont beaucoup plus sensibles, selon le constat, donc, à ce qui se fait aujourd'hui. Et ils ont rappelé aux protagonistes que un accord est important pour aider à sortir le pays du chaos, peut-être pour faciliter le déploiement ou pas d'une mission multinationale sur le sol national. C'est plus, effet. C'est plus qu'important, c'est obligatoire. Et ça, sur ce point-là, M. Guterres était parfaitement clair. Bon, eh bien, Jean-Jules Desaugustes, merci de suivre ces pourparlers pour nous. Merci de nous en rendre compte. J'espère que votre rôle ne va pas finir demain, parce que ces messieurs auront décidé de rompre les discussions. Là, ce serait vraiment catastrophique d'avoir sur place, comme vous l'avez rappelé, des personnalités de ce poids venues se mettre au service de la crise haïtienne pour essayer de nous aider à y voir plus clair, et que cela se termine en pugilat, en petite mesquinerie, ce serait vraiment indigne. En tous les cas, j'espère que vous allez encore avoir 3 journées de dur labeur et que nous aurons l'occasion de vous entendre encore. Merci Jean-Jules Desaugustes. Merci beaucoup Serge Klein, et merci à tous et à toutes.
Voilà, donc c'était un compte-rendu rapide de la manière dont se déroulent les négociations en cours entre cette délégation de la CARICOM, dont on vient de rappeler que c'est une délégation éminente, d'éminente personnalité, venue essayer de forcer la main, disons, et des membres du gouvernement et des membres de l'opposition, forcer la main de ces gens à trouver un consensus, un accord, qui permettent ensuite au Conseil de sécurité de l'ONU de statuer sur la crise haïtienne, ce qui doit se passer le 15 septembre. L'organisation baptisée Mouvement de l'amour pour Haïti a présenté ce jeudi 7 septembre un travail de synthèse des différents accords et propositions de sortie de crise. L'analyse minutieuse de ces documents révèle que la majorité des protagonistes optent pour une gouvernance politique avec un exécutif bicéphale dirigé par un juge issu de la Cour de cassation. Le docteur Fritz Buisseret, membre de la commission de rédaction du document de synthèse des propositions de sortie de crise pour le compte de l'organisation Mouvement de l'amour pour Haïti, a indiqué également que la majorité des acteurs concernés se prononcent en faveur d'un mouvement d'unité nationale et la transformation du Haut Conseil de transition en un organe de contrôle des actions de l'exécutif. Cette transition devrait durer 16 mois. Nous analysons tout document et nous saisissons pour nous dire que, premièrement, presque tout le monde a parlé même bagaille. Les quelques rares différences qui y a entre documents, ils n'ont pas qu'à diviser les acteurs politiques. Parce qu'ils ont plus de rapport à la structure que à la conjoncture. Ensuite, nous disons, mais pour qui ça, ils n'ont pas jamais capable de chiter ensemble. Nous venons rendre compte que les acteurs politiques sur le terrain, ils aiment s'entendre parler, mais ils ne prennent pas le temps d'entendre, n'est-ce pas, l'interlocuteur. En sorte que il a dit même bagaille avec des concepts ou bien des mots différents, mais finalement, qui c'est même bagaille qu'il a dit. Et c'est ça que nous t'ai découvert lorsque nous prenons les 17 documents qui c'est des propositions de sortie de crise que acteurs politiques avec classe dans les sociétés civiles ont proposé. Ce que nous allons vous dire là, que nous présentons comme étant le document de transition, n'est pas une proposition de sortie de crise. Nous faisons compilation, nous faisons conciliation, nous faisons mise en commun qui va nous ce document de synthèse. C'est un document de synthèse des propositions qui ont été faites par des acteurs politiques et des acteurs de la société civile. C'est ainsi que nous avons vu, à partir de tout ça qui dit, sans calendrier, qu'on peut avoir une transition de 14 mois ou 81 semaines. Et pendant 81 semaines, ça, tout ça qui dit en matière de réponse aux problèmes conjoncturels et en matière d'adresse qui a fait des problèmes structurels capables de régler. C'est ainsi que, à côté du calendrier, à côté de l'agenda d'exécution, nous avons aussi travaillé sur un budget sur les 14 mois. En sorte que ce qui manquait aux propositions, c'était cette mise en commun, nous prenons, ensuite nous mettons nos calendriers et nous préparons le budget pour nous. Nous avons les documents pour une transition de 16 mois de résultats vers l'Haïti 2050-2054. Et nous avons dit nous pour qui ça le pote non ça. Le pote non ça parce que d'une part, nous croyons que définitivement, nous pas qu'un bon pays qui a sorti de transition à transition. Il faut qu'on mette un terme à cette histoire de transition d'un pays à tout temps, tout temps. C'est la première raison. Deuxièmement, une transition comme ça, t'as doué la dernière transition pour qu'il mène le pays vers l'Haïti de nos rêves, l'Haïti que nous rêvons, l'Haïti que nous tous nous souhaitons pour nous, ouais, et pour petite nous, ouais, et que qui est capable vraiment, cet Haïti capable d'étonner le monde, car nous avons fait l'histoire que, à côté de problèmes de conjoncture que nous avons adressés, nous devons également adresser des problèmes de structure pour que
dans la perspective 2050-2054, ce qui fait qu'après la transition, on aura au moins 4 gouvernements. Pendant ces 4 gouvernements qui ont sorti, n'est-ce pas, de la transition, eh bien, nous sommes capables d'arriver vraiment à gagner un plan national, un plan global de développement national qui permet de nous arriver dans Haïti que nous arrivons. Les bandits de Bel Air ont lancé mercredi une offensive de grande envergure contre les habitants du quartier de Solino à Delma. La première attaque a eu lieu vers 6 heures du soir au marché de Carrefour Péan. En 3 autres points, les bandits ont synchronisé leur assaut de manière à bloquer toutes les issues, a expliqué un notable de la zone. Toutefois, les policiers et autres résidents ont résisté jusqu'à l'arrivée des renforts de la police. Le quartier de Solino donne accès au sud au quartier de Pouplard, au nord à Delma 24, à l'ouest à Carrefour Péan et sans fil, et à l'est à Nazon. Les bandits de Bel Air veulent prendre le contrôle de Polino, zone stratégique entre Delma et Bel Air, afin de poursuivre les kidnappings. Les forces de l'ordre ne pourraient pas déjouer les kidnappings qui transiteraient par des ruelles étroites de Solino et non par les axes principaux. Le professeur Samuel Pierre attribue l'insécurité actuelle à la mauvaise gouvernance. Il a déploré l'impuissance des autorités face à ce phénomène et leur refus d'analyser la situation froidement. Si un État n'est plus en mesure d'assumer ses missions, ses dirigeants doivent en tirer les conséquences, estime-t-il. Donc, il y a d'abord un problème de gouvernance. Premier bagage là, c'est pour nous capables de gouvernance qui reconnaît que c'est job li, premier job li, c'est la sécurité des vies et des biens. Une fois qu'on finit ça, mais qu'on y a un bras dit, est-ce que j'ai moyen pour me faire? Là, je rejoins M. Andresson, mais pour gagner moyen, d'abord, il faut une volonté. Et premier moyen pour gagner, une fois qu'on finit une volonté, c'est des moyens coercitifs. Hein? Et le moyen coercitif, il faut une force de police qui est à la hauteur du problème. Là. À condition qu'on comprenne le problème. On garde sur le plan quantitatif. Vous avez une population de 12 millions de monde, vous avez un nombre de policiers qui peut-être 10 000, 11 000, en considérant qu'il y a un qui a quitté, il y a un qui mourit. Il y a un pile qui a quitté. Et il y a un là-dedans qui est en corruption. Et, bon, l'autre bagaille qui est plus important encore, il y a un là-dedans qui a bâillé des services à des particuliers. Donc, on a un problème de sécurité. Le problème de sécurité, d'abord, ce n'est pas seul Haïti qui a un problème de sécurité. Je vis au Canada, tout, il y a un problème de sécurité. Il n'est pas manifesté même avec Haïti. Mm-hmm. Parce que mon pays a, mais il y a une sécurité tout. Chaque jour, il y a un monde qui a il n'a pas mouru avec même rythme qu'en Haïti. Mais il y a des meurtres qui créent. Malgré que bon l'État, malgré que y a une force de sécurité, malgré que y a une police, il y a toutes sortes de formes de force de sécurité, eh bien, il y a une sécurité. Donc, l'insécurité, c'est un phénomène social lié, ou pas capable d'enrayer totalement. Dans le cas d'Haïti, il y a atteint une proportion qui rend la vie moune, la vie quotidienne invivable. C'est le plus gros problème qui vient dans le pays. L'on moune, on d'un pays où on pas de moyens pour déplacer en toute liberté. Ça veut dire par exemple qu'il y a une activité qui est faite, si on ne peut pas aller à l'école, par exemple, pas aller au travail, l'autre monde qui a besoin de prendre loisir, pas qu'à sortir. C'est comme si on enfermait tout le monde, on mettait tout le monde en prison en d'un pays. Ça, c'est un bagage totalement inacceptable. Maintenant, comment nous comprenons ça, l'insécurité? Chaque monde allait avec ses explications par eux. Donc, comme je dis tout à l'heure, c'est droit à tout le monde, si je vis en situation, pour m'essayer de joindre aux explications. Des fois, explication, moi, j'ai besoin uniquement pour me conforter, uniquement pour me apaiser l'inquiétude, moi. Et les femmes qui ont dit n'importe quoi pour apaiser l'inquiétude, moi. Mais on l'État n'a pas fait ça. On l'État, il doit joindre une explication rationnelle, fondée sur la science, qui permette que l'État agit sous phénomène. Et ça, c'est extrêmement important, capacité que l'État gagne pour l'agir sous phénomène. Or, ça n'a pas suivi, je dis en Haïti, c'est que l'État n'a pas gagné aucun moyen pour l'agir sous l'île. C'est des coups d'épée dans l'eau, il y a des tentatives qui font, et tentatives qui n'ont pas de résultat. De jour en jour, Gagnon apprend pied en terrain, il a gagné des territoires. Ensuite, devant, on l'État qui n'est pas capable de faire. Alors, comment on va sortir là-dedans? Si vous voulez sérieux, eh bien, faut prendre toute sérénité pour examiner les questions.
Comment problème insécurité? Il y a plusieurs raisons. Et bon raison simple, première, est-ce que nous avons bonne gouvernance? Ça, c'est première. Parce que rôle de l'État, premier rôle de l'État, avant toute chose, c'est assurer la sécurité des personnes et des biens, des vies et des biens. C'est premier rôle de l'État. Ça veut dire, on l'État, il n'est pas en mesure de faire ça, c'est pour l'État. C'est pour l'État. Or, l'État haïtien, ben, il déclarait que le pas de moyen. Bon, c'est déjà honnête que le dit le pas de moyen. Mais l'offre dit ça, il faut conséquent. L'offre dit qu'on pas de moyen, il faut conséquent. Autrement dit, bon, fond de job, ou bien nous compte que le job l'a dépassé, ou bien deux choix. Ou bien, ou dit, eh bien, on va renforcer. Renforcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher le monde qui a une compétence, le monde qui est capable de porter des solutions, ou le monde qui a une volonté acharnée de joindre une solution. Ensuite, ça, son premier choix, pour être soutenu capable de renforcer pour essayer de faire face à un problème. Non? L'autre barrière, là, c'est de dire, nous dépourvu le moyen, et comme nous voulons faire la population moins souffrir, eh bien, mon cher, plutôt, nous allons placer dans l'autre monde, en espérant que le monde soit capable de faire mieux. Pour conclure, la reprise des grands titres. Contrairement aux autres journées, les discussions ne se sont pas poursuivies entre la délégation de la CARICOM et les acteurs politiques en vue de la résolution de la crise haïtienne. Les signataires de la déclaration de Kingston exigent la présence du Premier ministre ainsi que le droit d'être accompagné de leurs partisans avant de continuer avec les pourparlers. Les bandits de Bel Air veulent prendre le contrôle de Solino. Ils ont lancé mercredi une nouvelle offensive de grande envergure contre les habitants de ce quartier. Le professeur Samuel Pierre attribue l'insécurité actuelle à la mauvaise gouvernance. Selon lui, les autorités doivent tirer les conséquences si elles ne peuvent pas résoudre ce problème. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.